Salut, salut! Alors aujourd'hui, je suis particulièrement très touchée par la vidéo que je vais vous faire. C'est tout simplement une vidéo, comme vous le savez tous, on est au mois d'octobre, donc qui dit le mois d'octobre dit octobre rose et qui dit octobre rose dit lutte contre le cancer du sein. Donc comme vous le savez tous, enfin non, vous le savez pas tous, mais une femme sur 30 est touchée par le cancer du sein dans le monde entier. Donc moi qui ai eu cette maladie, je suis particulièrement très touchée de vous présenter les produits que je vais vous présenter. Et ce mois-ci est un mois spécial, voilà, comme vous pouvez le constater. J'ai acheté ce t-shirt, donc qui a la particularité, je l'ai acheté à Kabi. Donc si vous avez l'opportunité d'aller à Kabi, même si vous ne le mettez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a combattu cette maladie, vous lui achetez ce t-shirt, déjà elle sera super contente et en plus il reverse 1 € pour la lutte contre le cancer, c'est-à-dire 1 € pour la recherche de la lutte. Donc je trouve ça super génial. Moi je voulais tout particulièrement vous présenter la marque Kusmiti. Voilà, c'est une marque de thé en fait. C'est un mélange de thé qu'ils ont fait spécialement pour ce mois-ci, pour justement la lutte contre le cancer du sein. Donc, quand vous achetez cette boîte, il y a 10% qui sera reversé à la recherche du cancer du sein. Donc moi, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. C'est vraiment quelque chose de vraiment hyper généreux. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site. Mais il faut vraiment prendre ce thé-là. C'est le thé Sweet Love. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé plusieurs thés à l'intérieur pour faire un goût spécial. Donc le goût spécial, ça sera... C'est vrai que c'est un goût vraiment spécial. C'est très très bon. Mais il faut vraiment aimer le thé épicé. Et moi, je trouve qu'il est vraiment super bon. Alors à l'intérieur, il y a du thé noir de Chine, racines de réglisse, épices, graines de guarama, poivre rose et arôme. Donc ça se présente comme ceci. C'est un sachet, voilà, avec tous les mélanges à l'intérieur. Et ça sent super bon, ça sent les... vous savez quand on va dans les magasins indiens et les magasins maghrébins, etc. Ça sent les épices qu'il y a à l'intérieur et ça sent vraiment super bon. Donc moi je vous conseille vraiment d'y aller. Et en plus il y a une offre promotionnelle. Vous aurez 25 grammes offerts pour 30 € d'achat. Donc vraiment c'est vraiment très très bien. Alors moi comment je le bois? Tout simplement je le mets dans mon petit infuseur et je mets de l'eau bouillante et je laisse infuser 5 minutes et je le bois. C'est vraiment délicieux. Avec tous ces mélanges il a vraiment beaucoup d'arômes qui en ressort et il est vraiment super délicieux. Après vous le buvez avec ou sans sucre. Moi je le préfère un petit peu sucré mais il est vraiment délicieux. Aussi ce que la marque a fait, qui est aussi super généreux, il nous offre avec cette petite boîte de thé, enfin cette grosse boîte de thé, j'ai envie de dire, un joli mug avec la tour Eiffel et le sigle du cancer du sein. Voilà, et elle est vraiment super jolie, elle est vraiment super... elle est en plus, elle est hyper grande, donc je l'adore, je bois mon thé à l'intérieur de cette boîte, donc je trouve que c'est vraiment super joli. En plus, la boîte, elle est vraiment magnifique, donc je la mets en décoration dans ma cuisine. Elle fait vraiment pas tache du tout parce que ma cuisine est rose, blanche et noire. Donc c'est vraiment génial. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment acheter un thé, goûtez ce thé là, il est vraiment exceptionnel parce qu'il a vraiment beaucoup de saveur. Et la perquisition, et bien évidemment il reverse, c'est 10%, quand vous faites l'achat de ce thé, il reverse 10% pour la recherche du cancer du sein. Donc c'est vraiment une bonne œuvre à faire pour ce mois-ci qui est vraiment le mois spécial dédié au cancer du sein, octobre rose. Tout le monde sait que octobre rose c'est ce mois dédié pour se faire dépister, pour en parler autour de vous, pour faire des dons, pour faire des courses. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci, mais vraiment c'est vraiment un mois que j'affectionne moi particulièrement. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye. When the strobe hits you.